Alors la famille, comme promis, le retour du Lionel Messi au PSG crée déjà la polémique. Donc, le staff du PSG avait déjà compris que le retour de Lionel Messi devrait créer une polémique. Alors, ils ont eu à anticiper les choses. Voilà pourquoi vous avez vu que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, on leur a proposé un voyage d'aller aux États-Unis, de profiter donc de leur voyage aux États-Unis. Actuellement, ils sont dans... en train de profiter de cette petite vacance aux États-Unis. Le but de ce voyage, on voit juste l'aspect de cette petite vacance entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé aux États-Unis. Mais derrière ce qu'on est en train de voir, derrière tout ça, le but c'était d'éviter la polémique entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Parce que, comme le veut la tradition, au retour de Lionel Messi, lui qui est vainqueur de la Coupe du Monde et sur meilleur joueur de la Coupe du Monde, la tradition veut que, au retour de Lionel Messi, que toute l'équipe du PSG et le staff du PSG puissent être là pour ovationner Lionel Messi, pour l'applaudir de cet exploit qu'il vient de réaliser. Donc, pour éviter que Kylian Mbappé puisse être là à applaudir Lionel Messi, alors on a créé des petites vacances à Kylian Mbappé pour éviter d'être là. D'ailleurs, on a vu aussi sur les ovations, sur l'image des personnes qui étaient en train d'applaudir Lionel Messi, on a remarqué aussi l'absence de Neymar. Donc, mais la chose qui a beaucoup plus retenu l'attention de tout le monde, c'est le regard que Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian Mbappé, a lancé à Lionel Messi. Et on voit bien que sur son regard, ça dit long. On voit qu'il a le seum. Après, je comprends Ethan Mbappé. Moi aussi, j'ai le seum encore de cette Coupe du Monde qu'on a raté. À quelques doigts, c'était juste une histoire de chance qu'on a raté cette Coupe du Monde et je pense que cette défaite, on ne s'en remettra jamais. Alors la famille, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez du regard d'Ethan Mbappé envers Lionel Messi? Dites-le-moi en commentaire et surtout, est-ce que vous pensez que ce sera important qu'on puisse accueillir Lionel Messi au Parc des Princes pour qu'il puisse présenter la Coupe du Monde? Pour ça, je pense que ça serait une mauvaise idée.